Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ici on tricote. Aujourd'hui nous allons réaliser ce joli point ajouré. Ben, comme d'habitude, vraiment vraiment très simple à réaliser. Regardez, il est super beau. Voilà. C'est vraiment vraiment joli. Vous pouvez faire une écharpe si vous voulez avec un bonnet. C'est sympa comme tout. Voilà. Donc, c'est un multiple de 12 plus 2 et il se fait simplement sur 4 rangs. Donc, on va commencer. Donc, moi, j'ai dû mettre 36, 38 mailles, il me semble. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et on y va. Donc, le premier rang, tout simplement, vous allez faire une maille lisière, 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Et là, on va répéter 3 fois la même séquence. C'est-à-dire, vous allez faire 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. Et on fait 3 mailles en droit. On repart avec 3 mailles en droit, 1, 2, 3, et on recommence. 2 ensemble, un jeté, 2 ensemble, un jeté, 2 ensemble, un jeté, et 3 mailles en droit, 1, 2, 3. On recommence. 3 mailles en droit et 3 fois 2 mailles ensemble, un jeté. Une fois, 2 mailles ensemble, un jeté. Deux fois, 2 mailles ensemble, un jeté. 3 fois, on fait 3 mailles en droit et la maille lisière. Voilà, premier rang terminé. On passe au deuxième. Le deuxième, tout simplement, et les rangs pairs, vous allez les faire tous à l'envers. Donc là, pareil, pas compliqué du tout. Le troisième, on fait une maille lisière, 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Là, vous allez faire un jeté, 2 mailles ensemble. Et là, vous allez faire 3 fois. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. 3 mailles, on refait 3 mailles et on repart, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble et on repart 6 mailles, 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Et on repart. Un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, trois mailles et la maille lisière. Et après, vous allez faire tous les rampères à l'envers, à l'endroit, pardon. Donc, je ne vous le refais pas, c'est-à-dire que le 2, le 4, le 6, le 8, le 10, et vous faites toujours à l'envers. Et vous répétez toujours le premier et le troisième rang, tout simplement. Donc, c'est assez simple à faire, puisqu'on intercale à chaque fois. C'est-à-dire que le premier rang, vous allez faire une maille lisière, trois mailles endroit, deux ensemble, un jeté, trois fois avec trois mailles endroit. Et la fois d'après, vous faites une maille lisière, trois mailles endroit, un jeté. Vous faites le jeté, en fin de compte, avant les deux mailles ensemble, trois fois. Et voilà, vous répétez toujours, toujours ces rangs-là. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime. Abonnez-vous pour ne rien louper. Et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.